Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Sigma KD. Donc nous allons continuer sur notre série ici sur les modélisations d'objets instance. Ok, donc instance, vous voyez, on a mis instance, il y a une croix rouge dessus, c'est que ben, on n'a pas mis ici l'objet de référence. Donc voilà, je le mets, je vais sur instance, je vais prendre mon cube, je vais le mettre dedans, et du coup, hop, voilà. J'ai deux cubes. C'est cool. Voilà. Du coup, ici, bah, je vais l'éditer, hein, ça sera beaucoup plus simple. Là, je vais passer par point. Vous voyez, modifier les points. L'autre, il prend pareil. Ici, les arêtes. Là, les polygones. Bah, je vais faire celui-là. Voilà. Extrusion. Hop, voilà. Vous voyez, je peux modéliser tranquillement. Voilà. Et puis l'autre garde exactement la même chose. On peut le dupliquer. Donc toujours pareil, hein, contrôle, hop, je glisse, je lâche, et puis hop, j'ai dupliqué. Voilà. Ce qui est mieux par rapport au cloneur, c'est que le cloneur, lui, va mettre les objets à des endroits précis. On peut les écarter plus ou moins de l'autre, hein, par circulaire, par grille, par ligne, tout ça. Ça restera comme ça. Moi, je trouve qu'il sert beaucoup, c'est pour bah, quand on modélise un arbre, un buisson. Par exemple, ça. Ça, ce couloir, j'ai modélisé cette partie-là, ici. Comme ça, ici. Qui vient jusqu'au point du milieu, ici. Et partir là, ici au milieu, pareil, tout ça. Ici, de là à là, bah, tout simplement, j'ai fait une symétrie. Donc, il n'y a pas d'instance. Mais cette partie qui va par là, et cette partie qui va par là, c'est exactement ça, mais mis en instance. Pourquoi en instance? C'est que, déjà là, je regarde, hop, je prends celui-là. Vous voyez, je peux le bouger, je peux le déplacer. Par contre, mise à l'échelle, ne comptez pas trop dessus, ça ne marchera pas. Voilà. Et pilote, pareil, hein, je peux le faire exactement pareil. Voilà, le mettre dans l'autre sens. Et je peux toujours ici, hop, modéliser mon objet sans souci. Voilà. Est-ce qu'il y a à mettre les instances, hop, j'ai dupliqué par exemple celui-là. Par exemple, je vais sur objet, oui, objet, information sur la scène. J'ai que 6 kilos, j'ai 24 points. Regardez ça dans la tête, 24 points et 6 kilos. Ok, ah, donc ça, je vais supprimer. Et si je fais par exemple, 4 cubes, admettons que j'ai fait mes 4 arbres et puis j'en mets un à droite, un à gauche, je fais une rotation, une mise à l'échelle et tous ces trucs-là. Donc du coup, ici, si je vais information, voilà, 6 kilos, 96 points. Ben oui, automatiquement, c'est multiplié par 4, hein, par rapport à l'instance. L'instance, lui, il calcule juste le nombre de points qu'il y a sur cet objet. Il ne calcule pas les points qu'il y a sur les autres objets. Donc c'est pour ça que ici, en faisant ça et une symétrie, et en mettant un ici, parce qu'il y en a un derrière aussi, hein, imaginez le nombre de points que je gagne, hein, qu'il n'y a pas dans ma scène. Donc du coup, pour le rendu, il est beaucoup plus rapide. Voilà, je vais revenir en arrière avec mes instances. Voilà, le rendu sera beaucoup plus rapide en faisant avec justement l'instance. Bon là j'ai fait mal le couloir, hein. Bon ça peut être n'importe quoi, hein. Condition que ça se répète. Donc voilà, et pour tout autre objet modélisé, par exemple vous faites un décor, il y a par exemple une barrière, bah, cette barrière là, au lieu de la dupliquer parce que vous devez la mettre de l'autre côté ou un peu plus loin ou autre, ou les tuyaux pareil, bah, vous faites des instances. Et quand vous faites le rendu, ça calcule juste votre tuyau, admettons, votre barrière. Basta, c'est terminé.
Et puis les instances, eh ben, c'est pas calculé puisque voilà, puisque les points, tout ça, c'est exactement les mêmes. Voilà, il n'y a que la position qui change. Ok. Donc eh ben, ça sera tout pour ça, parce que instance, eh ben, c'est tout ce qu'il y a à dire dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, j'ai essayé d'avoir instance de rendu. Bon, personnellement, j'ai rien pigé. Je n'ai jamais utilisé non plus. Multi-instance. Oh là, j'ai rien. Mais vraiment rien pigé. Voilà. Je prends ça et j'ai beau essayer de prendre quelque chose. J'ai essayé avec des tags position. Je sais plus si j'avais fait sélectionner. Bah, déjà, faut que. Ah, je prends tu. Sélectionner. Enregistrer la sélection, c'est ce que j'étais en train de chercher. Je vais retourner sur celui-là. Si je mets celui-là, là, ça marche pas non plus. Donc j'ai beau chercher, je ne trouve pas. J'ai dit, bon, tant pis. Oh, restera comme ça. Du coup, celui-là, je vais le remettre. Voilà. Ok. Bon, ben, c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc voilà, maintenant, pour dupliquer tous vos objets ou les trucs comme ça, qui sont un peu répétitifs. Faites des instances, ça sera beaucoup plus simple et pour le rendu, et puis le poids de la scène ne sera pas la même non plus. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!